Aujourd'hui, avec le recul, nous avons bien compris
la partie de votre appel au calme et de votre patriotisme. Et nous vous en remercions pour ce jour-là. Espérance pour ce jour-là. Sans converser dans une nostalgie étouffante, permettez-moi de vous rappeler la pertinence et la permanence de vos remarques et vos critiques constructives depuis 2008. Après 2 ans seulement de gestion du fameux pouvoir de la rue, un pouvoir caractérisé par son instabilité et sa versatilité déconcertante. Qui aurait mieux caricaturé le bon fonctionnement de ce pouvoir par la fameuse image gouvernement ventilateur? Dans cette logique, les dernières assises de la direction exécutive nationale, les 6, 7 et 8 janvier 2014, ont analysé l'actualité socio-économique et politique et ont conclu qu'il y a que nous en la demeure. L'appel du parti à un dialogue national inclusif est la thérapie de choc pour sauver le pays du pire. Il est urgent de parler le plus pressé à ce propos. Je voudrais en appeler au sens d'humilité et à l'esprit patriotique du président Moni Yaï et des responsables de sa famille politique afin que le dialogue national ait lieu dans un délai. C'est cet appel que nous souhaiterions que vous adressez à nouveau, Excellence Monsieur le Président, à ce gouvernement qui semble faire la sourde oreille à tout. Nous savons en tout cas que le peuple voit, entend tout et sera jugé le moment venu. Excellence Monsieur le Président, militantes et militants sympathisants du Parti de l'Union démocratique, certains apprentis sorciers, par leur basse désordre, ont voulu faire échouer la tenue de notre Conseil national et de ce meeting en nous refusant le premier site identifié pour abriter la dite cérémonie. Malheur à l'appui à eux, car les dieux et les mains de nos ancêtres n'ont pas cautionné cette malheureuse aventure. Oui, Adara abrite bel et bien cette grande messe et en est fier. Le père dès aujourd'hui, demain et éternellement à Adara sera toujours plus fort, plus haut et plus grand. Si ce n'est de les hisser là où ils sont avec les avantages différents qu'ils ont. Carton rouge à ces apprentis sorciers. Carton rouge à ces apprentis sorciers en panne d'inspiration et en tête de promotion sociale dans une maison qui prend l'eau de toutes parts. Que veulent et peuvent-ils contre nous, quand on sait qu'ils ont de grâce de gloire, que grâce à nous, à l'air du bilan, ils pèseront bien peu devant nous, car ils sont sa troupe. Le vent qui va souffler prochainement va les apporter tous, nous en sommes sûrs. Je vous remercie. Merci.